Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour cet event Rainbow Escape en compagnie de Kaya, Huawei, TVH, Fab et Yout. Donc on se trouve pour un nouvel event, entre guillemets, c'est un event, c'est une map en fait, hein, on va vous en parler bien sûr. Avant qu'on présente donc cette map, je vous rappelle que nous avons des serveurs Minecraft, alors en fait c'est un serveur découpé en plusieurs petits serveurs. Donc on a un serveur lobby qui est en fait un gars du parc, donc un parc d'attractions. On a un serveur mini-jeu et un serveur de survie. Alors, pour ceux que ça intéresse, alors évidemment ça pourrait être amené à changer, peut-être qu'on en rajoutera ou pas, d'ailleurs on a déjà des idées pour en rajouter, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être qu'il y aura d'autres modes, mais bon peu importe. Vous avez en description de la vidéo, vous avez le lien pour vous connecter au serveur, ainsi que le lien du TeamSpeak qui est super important pour discuter avec le staff et vous expliquer comment rejoindre le serveur en fait proprement hein, sans aller lire de partout en fait sur le forum ou sur le site web comment vous connecter. Ce sera plus simple de parler directement avec le staff qui est donc ici, voilà. Donc ça c'est pour la petite pub pour les serveurs, donc vous n'hésitez pas à passer, hein, le serveur est grand ouvert et il est en 1.17 actuellement. Il sera toujours mis à jour évidemment quand il y aura 1.18, 1.19. Donc il sera toujours à jour avec un délai de 1 ou 2 semaines. Donc vous en faites pas, si vous voulez jouer en survie, vous aurez toujours la dernière génération en fait du jeu. Voilà, donc ça c'est pour le serveur. Maintenant on va donc parler de l'event. Alors l'event c'est un escape game, hein, comme son nom l'indique, hein, Rainbow Escape, forcément c'est un escape. Nous sommes donc 5, donc c'est une map qui est normalement jouable en multi. Alors on vous avoue que qu'on n'a pas testé en fait. Ou alors j'avoue tout seul que je n'ai pas testé, parce que les autres me regardent là et me disent, bah moi je savais même pas. Oh. Parce qu'on démarre un petit peu à l'arrache pour être honnête avec vous. Donc on n'a pas testé. Mais a priori la map est plutôt intéressante, alors vous la retrouvez un peu n'importe où, hein, parce qu'elle est quand même relativement connue, enfin un petit peu. Et donc du coup oui, on a un pack de textures comme vous le voyez, qui est avec la map, sachant que la map est en 1.15.2 je crois, mais elle fonctionne en 1.16.5, c'est d'ailleurs sur le serveur 1.16.5 qu'on l'a fait tourner. Donc normalement j'espère qu'il n'y aura pas de bug, j'espère qu'on n'aura pas de surprise. Il faut savoir que j'ai aussi un pack de shader pour ceux qui se posent la question, qui est le shader Chocapic. Alors si vraiment c'est foireux, je couperai en vidéo le shader, hein. Pour le moment vous avez vu, ça donne plutôt des belles images avec de la bonne lumière là, donc je préfère le garder. Mais encore une fois, on verra lorsque l'event sera lancé. Il faut savoir que l'event normalement dure entre 50 et 70 minutes officiellement. Ça, c'est le temps qui est donné par le créateur de la map ou celui qui a rapporté cette map. Donc, on va essayer de jouer en une heure. On va essayer de faire moins d'une heure. Vous savez quoi, ce sera déjà pas mal. Ce sera au-dessus de la moyenne de ce qui était annoncé. Et ce sera déjà super. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, il s'est coulé seulement 2 minutes 30. J'ai réussi à parler autant en 2 minutes 30. Pour une bonne raison, c'est qu'on essaie de se dépêcher. Parce que je sais que vous n'êtes pas tous disponibles relativement longtemps dans cette vidéo. Donc on va essayer d'aller assez vite. Ouais, y a des sans enfants, trop se presser ça. Non plus. Mais on va essayer de faire assez court parce que sinon je pense que aussi les viewers ils vont s'embêter. Même s'ils veulent bien réfléchir avec nous, ça va être un petit peu long. Du coup, on va lancer le démarrage. Alors là, ça fait donc 3 minutes qu'on a démarré la vidéo. On va dire qu'à partir de maintenant, on a donc une heure. Donc déjà, on arrive dans un lit comme vous le voyez. Ceci est un lit, hein. Tout le monde est sorti du lit sauf moi. C'est juste pour vous montrer justement comment on apparaît sur la map, et donc dès à présent je me lève, voilà, et donc on est parti. Alors je vois déjà qu'il y a un portail. Est-ce que vous avez déjà vu des indices pendant que je parlais ou quelque chose qui était Oh, il a mis son t-shirt, oui, là regarde ma ça YouTube channel, ça d'accord, ma Twitter, ok, bon, ça c'est pour le développeur du jeu, j'entends. Et là nous on a un coffre qui est caché. Comment est-ce que ton coffre là, il est où le coffre? Bah, je sais pas, vous bougez quelque chose, j'entends bouger quelque chose. Arrête, portail, faut que tu cliques dans le trou. Ah, ça y est. Voilà. Drop me in the... Blablabla. Bon, ok, bah, je vais le prendre. Et je le drop dans le portail. Alors, comment... Oh, bah, d'accord, ok. Oh, well done. By the way, due to your memory loss, you probably have no idea where you are. Alors, ça va être en anglais, là, je vais traduire vite ce qui dit. Très bien, par ce chemin, vous n'avez pas le temps. Ok, d'accord, c'est bon. Don't worry, you willingly agreed to this by signing a contract. J'aime beaucoup les personnes qui parlent en anglais, mais pour le coup, it took us long enough to convince you. On est français. And quite a lot of threatening. Bon, visiblement, on a un problème de mémoire, si je comprends bien. But it worked out. Now, you are here. Ok, merci pour votre introduction. Mais enfin, c'est le temps de traduire, je suis preneur, sinon on saute dedans, on n'a pas le temps. Il a dit, c'est parti. Qui l'a dit? Eh, ça marche, on a vraiment un vrai portail. Ah, c'est parti, alors. Oh. Ici. Alors, moi j'ai des effets de fou avec les shaders, je sais pas pour vous, mais moi c'est exceptionnel. En fait, on est bloqué dans Mario. Ouais, j'ai l'impression que dans Mario, effectivement, c'est vraiment les blocs de Mario, ouais. On trouve. Donc ça y est, tout le monde vient d'apparaître. Alors, nous avons donc des blocs au rang. Kaya a déjà explosé. Ah bah. Ah bah. Parce qu'il y avait un truc là au milieu. Il y avait un truc qui a plu. Kaya a validé. Ah ok. Oh. Ok. What? Va falloir faire du bon ordre, je crois.
du bonheur. Attendez, attendez, ça, c'est, okay. Attendez, attendez, attendez. Qui fait quoi là? Attendez. Moi. Voilà, ok, non, c'est Fab quand il a sauté sur le carré. Donc il faut trouver le bon carré. Non. Alors, en fait, il faut aller sur les bons blocs. Oui, mais sur les côtés, regardez sur les côtés en fait, dès que donc vous c'est allez pas celui-là, non, c'est pas. Ouais. Oui, mais attendez, comment on sait les blocs? Ah, celui-là, je pense que c'est celui-là, Vas-y. Ah, ok. Ah, le premier. Comment vous saviez? Celui-là, là-bas. En fait, Gadu, tu vois les blocs comme ça, les blocs dorés. Oui. En fait, dès que ça commence le truc, ça les change en tic vert, comme au sol, et après, il faut juste y retourner. Laissez à Gadu voir. Alors moi j'ai rien compris. Alors je. Gadu. Tu me vois? Regarde ce bloc là. Vas-y Fab. Vas-y saute Fab sur celui-ci. Ça c'est le premier. Ouais. Et après tu regardes celui-ci. Hop. Et celui du fond se change. Donc faut sauter sur celui-ci. Ah en plus il a des petites. Donc comme, si on saute. Les émeraudes là. Non ça va. C'est pas ça. Non, il faut commencer par le premier. Il faut refaire le premier en fait. Il y a une combinaison à faire. Ah bah oui. Il faut refaire le premier après faire le deuxième au fond. Après, il faut faire encore celui-là. Okay, et là, on doit refaire fond. Celui-là. Attends. Vas-y, Bobby. On fait celui-là. Et ensuite, celui-là. Voilà. Ok. Donc, celui-là, l'autre. On se donne et chacun son bloc. Vas-y, je fais celui-là. Alors, encore une fois. Hein, alors, en fait, Gaïa, il faut faire dans un certain ordre. Par exemple, moi, je sais toujours c'est... pas. Est-ce je que tu connais le comment Super vous choisissez Simon votre bloc en premier? En fait, c'est du hasard. Et toi, t'es VH. VH. Et moi. Gaïa, tu connais le jeu Super Simon? Non. Je suis trop vieux pour ça. Et alors, c'est celui-là ensuite. Attendez. Après, juste une question, parce que là tout le monde qui part en tous les sens. Oui, faut comment vous savez quel bloc, sur quel bloc elle est? Parce qu'en fait, il n'y a rien. C'est marqué En fait, t'as le logo, tu sais, le logo vert qui est au sol, comme celui-ci, qui se change avec le bloc comme ça. Et après, si tu passes dessus, ça le valide. Ouais, mais sauf qu'il et donc là, pas, tu en fait. Vois le logo ensuite là Ah, d'accord, ok. Ok, rapidement, je les ai vus en fait s'afficher. Effectivement, t'as raison. Attends, Fab. Il faut avoir l'œil, hein. Donc effectivement, le premier s'est affiché, le deuxième s'est affiché. D'accord. Par contre, celui-là, quand est-ce qu'on ensuite... a fini? Parce que voilà, le deuxième là-bas bah, est affiché. En fait, faut faire tout. Non mais pas tout de suite, t'es vachant. Ouais, c'est possible, j'attends. Et ensuite l'autre. Une fois qu'on l'a validé, il faut recommencer la combinaison entière. Ouais, c'est comme un super Simon. Faut tout refaire. Après, voilà, tu vois, le troisième qui est là-bas dans le coin. C'est celui là-bas. Voilà, ok, on est d'accord. Ensuite, faut refaire ici. Après, c'est celui-là, après en dernier. Et le dernier, c'est celui-là, d'accord, ok. Huawei. Yout. Et Kaya. Et Fab. Voilà. Bah là on a fait les 4, pourquoi ça passe pas? Parce que faut tous les faire. Comment? Faut tous les faire, ouais. Ouais. Okay. Celui-là après il y a celui-là. Là-bas. Ah d'accord, au fur et à mesure il en rajoute un, d'accord, ok. Vas-y, deux TVH. Yout. Vas-y. Après c'est Fab. Après c'est Kaya. Hop, et maintenant ça va être le dernier, ça va être moi. Voilà, et celui-là. Ah non, c'est Fab à nouveau. C'est Fab à nouveau. Ah, ok. Ouais. C'est Wabi. Ah, vas-y, Wabi. TBH. Yout. Yout. Fab. Kaya. Kaya. Et Fab. Bah, attends, par contre, ça va durer des plombs, ces conneries. Non, je pense que ça va être une dizaine. Black. Ensuite. Voilà. Ah. Et, je me occuperai des derniers. Je me occuperai des derniers qui est là. Yout. Vas-y, Yout. Fab. Kaya. Kaya. Fab. Fab. Et moi. Kalu. Ah. Et je me suis là. Oh, super. Time. Et en plus c'est juste bien, t'as vu, on est juste le bon moment pour faire les petits carrés. C'est... Allez, portail blanc, c'est parti. Awesome, you're back. Alors, bien joué, vous êtes... Incroyable, vous êtes de retour. Should have opened by now. Hold on, someone's going to get fired for this. Fire for this, quoi. Alors, et quelqu'un va devoir être en feu. In the meantime, here's the portal sugar, so you can continue your fun. En même temps, c'est le portail que vous devez vous continuer. Fun et tout, ouais, bon, j'ai plus le temps de traduire en fait, le temps que je réfléchisse, c'est mort. Bon, c'est pas grave, balance voilà, deuxième portail. Je pense que c'est la suite. Sécurité, l'aventure. Ouais. Donc là, fun et sécuritaire. Il y a un ensemble, il y a le garde-fou là, un truc comme ça. Faut les abattre, c'est stand de tir. Oh, trop bien. Ok, faut atteindre 100. Et pourquoi moi j'ai rien moi à lancer? Faut aller au bord des tirs devant. Comment? Tiens, je prends, mets-toi au milieu devant. Putain, ah, d'accord, ouais, okay. Là, tu vois, t'en as. Mais c'est foncé. C'est quoi les trucs qui passent? C'est des kangourous. Il y a des kangourous vitins et des kangourous. Mais non, c'est des parottes. Vous vous rappelez sur la Sega quand tu devais tuer des canards? C'est des parottes, effectivement. Duncan Hunt. Ouais. Tu connais ça, toi, tu jeune, toi? Je suis sûr que Kayas, il est. Les personnages sont dans ce match. Il faut arriver. Les fêtes foraines comme ça à pêcher le canard, je suis sûr. Ah non, moi je faisais, tu sais, les cibles à ballon là. Il faut 100 points. On les laisse pas avancer. Il y a tellement de boules de neige.
J'arrive rien à voir. Ah, c'est bon. Bon, j'en ai. Donc je disais, je suis sûr que dans les fêtes foraines, parce que moi j'étais pas trop fan de tout ce qui est manège qui fait vomir, c'est pas top. Donc j'ai bien terminé la carabine. Voilà. Mais je suis sûr que Kaya c'est le genre, je suis sûr, à jouer à la bêche au canard. Ah non, non, du tout, moi je faisais la carabine avec les bananes pas ça. Ouais, la carabine. La carabine, j'aime bien. Et il faut savoir que dans le fusil à pompe. Pas le tir à la carabine, le fusil à pompe et les assiettes. Je vois. Un beau bordel, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Ça coûte cher aux assiettes. Who knows? Maybe one day he can find a community of tree people and save the world. Anyway, try to figure out how to open the yellow portal. Qu'est-ce que je dois casser avec ça? Alors, tu dois ouvrir le... Ah, mais les trucs en haut, là, non? Essaye d'ouvrir le portail jaune. C'est ça qu'il est en train de dire, si je... Il y a une pioche. Je peux casser tout ce que je veux. Essaye de le casser là. Ah non, je peux casser que les trucs comme ça, là. Ouais, ok. Bah, bon. Ça, ah bah, quoi, là. Bah tiens, là. Là, ici. Y'a quoi là? Non, là viens. Ah. On a combien de puzzles à faire? C'est une douzaine là, je crois. Ça doit être Rainbow, donc il doit y en avoir 7. Y'a un truc. Rainbow, c'est forcément 7. Bah, la potentielle à cette couleur. Il fait un ton noir. Oh! Ouais. Alors, on voit rien du tout. Y'a un shulker box. À gauche, en rentrant. Là où il y a tout. Mais bon, j'ai un truc. Un portail c'est jaune. Bon, Kaya, t'as un portail jaune. Oui. Et ouais. Kaya, okay. Il a. Est-ce que Kaya, tu peux le mettre dans le portail? Non, il faut le lancer. Il faut le lancer. Faut le jeter en fait. Faut pas faire clic droit ou clic gauche. P ou. Tu drops, tu te fais tomber en fait dedans l'inventaire. Voilà, c'est bon. Ah. Ok. The other dimension puzzle is a little bit tough, so I'll help you out. Using your strong computer generated body, you can move through the grey stone bricks. The stone bricks may only move to white surfaces. You can move the stone bricks onto trigger blocks to activate the wiring from red to green and switch some tiles on the floor. Donc là, il faut l'amener du vert au. Your goal is to push vert. All five stone bricks to the trigger blocks on the side. Good luck. Votre but est de pousser 5 stone bricks to the trigger. Voilà. Il faut déplacer 5 blocs apparemment. Voilà, c'est ça. Il faut déplacer. Ah, tu peux le voir en fait quand tu pousses. Là déjà, on a un bouton. Hop là, tiens, il nous a mis du vert. Ouais. Par contre, comment t'as réussi à faire ça? Il faut Non, faut avancer dessus et ça pousse. En fait, faut le pousser. Bah, je peux pas le pousser. On peut le pousser sur les blocs. Attends, juste pour essayer, j'essaye moi. D'accord. Ok. Donc, faut les faire pousser que sur le sol en fait, sur les sols gris en fait. Hein, c'est ça. Ouais. Voilà. Okay. Ah, vas-y. Hop. Ok. Moi, j'ai des bugs de lumière, mais du coup, je sais pas si vous. Je sais pas si vous comprenez, mais en fait, par exemple, là où est Huawei, ça a donné accès à celui-ci. Parce que il était là où je suis. Fab, demi-tour, Fab. Est-ce que t'as la gentillesse de me donner une torche, s'il te plaît? Juste pour le bien de la vidéo, en fait. Ah, tu sais faire ça, tu passes du tiens, je sais que tu sais faire ça. Ah bah voilà, nickel, voilà, super, magnifique, tu peux me donner la torche. On est combien? Ok. On est 6. Ouais, 5. Une dans chaque. 6, on est 6, ouais. Ouais, si tout le monde peut garder effectivement une torche dans la main. Alors, je sais pas est-ce si que. Vous quelque chose. Bon, moi, je vous garantis par contre que avec les chaînes. Moi, je vois très bien. Tout le monde comprend l'énigme ou pas? Ah, c'est pas mal. Alors, moi j'ai pas tout à fait compris. Il faut bouger les carrés, effectivement. Alors, il faut qu'on rétablisse le courant. Oui, c'est ça. Il faut rétablir le courant. Et en fait, tu as des plaques de pression comme celle-ci. Comme celle-ci qui débloque des accès. Par exemple, regarde, ton bloc de pierre ne peut pas passer sur le noir, mais que le gris. Par exemple, là, je pousse, ça marche pas. Donc, il a fallu. Mais attends, laisse-le. Attends, on recommence. Regarde, le bloc de pierre est là. Oui. Tu vois? Donc, on va le pousser ici. Si on pousse celui-ci, ça switch de couleur. Donc, ça devient noir. Donc, on ne peut pas passer. Et ça devient gris. Donc, on peut pousser le gris à nouveau. D'accord, ok, très bien, merci. Et donc, il faut qu'on fonctionne comme ça pour activer les. Et notre objectif, c'est d'arriver à mettre les carrés en fait sur en fait, il faut un bloc. Un d'accord, bloc. Ok. Alors, il faut qu'on extrait tous les blocs et qu'on les mette sur la rangée. Ok, enlève le vert. Non, qu'est-ce que ça fait? J'aurais préféré plutôt récupérer ceux du fond. Parce que je pense qu'il faut servir de ceux. On ramène ceux d'abord du fond devant. Ceux-là, là, en fait. Et après, on se démerdera effectivement pour les foutre tout devant. Parce que le plus, c'est de les mettre devant, on est d'accord. Oui, c'est de les ramener devant. Donc, faut plutôt aller chercher ceux derrière. Pour alors, il faudrait ouvrir ces portes-là. Là. Pas tous en même temps, s'il te plaît. Hop, je t'extire. Ok. Voilà, si j'active celui-ci, ça va être technique. Surtout vu le nombre qu'on est. Je vois, il y a Kaya qui est dans le coin qui fait moi, je vais pas toucher parce que ça fout la merde. Non mais je le sais hein. Non, le petit lapin aussi là-bas. Tu crois que je vois pas les petits lapins en train de glander là? Je regarde. Bosse.
Je sais pas si vous avez vu le petit lapin à la tête qui fait. On a l'impression qu'il y a une carotte qui est loin et qu'il peut pas la prendre. C'est bon. Non, de l'autre côté. Si, il regarde ça sans bouger le corps, il fait. Autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis bloqué ici. Faut que tu ramènes vers toi. Moi, je fais confiance à Huawei, Fab et TVH parce que eux, ils sont sous hormones, donc ils sont speed. On va laisser faire, parce que le temps qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il faut faire, eux, ils auront déjà vu toutes les pièces. Donc, on va les laisser. Des viewers, je vous invite à regarder bien ce qu'ils font. Après, vous avez compris la logique, hein. C'est juste que, en fait, ils speed. De toute façon, je pense pas qu'il faut être 50 pour faire ça. Parce que... on va gêner. On va clairement gêner. Là, déjà, je vois les trois, ils se gênent. Attends, je rouvre la porte. Vas-y, rouvre. Hop. Ah ouais, merci, parfait. Tac, comme pas ça. Celui-ci, mets-le sur celle-ci. Ok, hop. Ah. Attends, est-ce que j'essaie de passer l'autre quand même. Faut activer. Ah, faut réactiver celui-ci. J'ai juste une. Voilà. Ouais. Okay. Chaud. Je pense que vous avez la bonne l'eau chaude. Il y a un problème, Kaya. Tu as chaud ou c'est chaud ce qu'ils sont en train de faire? Ah non, il fait chaud. D'accord. Attends. Faut ramener. Ah, attends, t'as les gros. Là. Ouais, parce que comment ça va, Kaya? Parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup, toi et moi. On fait plus l'amour qu'on parle. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? On fait plus l'amour qu'on parle. Ah, attends. Je te l'enfant de femme. Oui. Tu sais, il fallait pas le dire aux viewers parce qu'après ils vont se faire des idées. Merde. Tu sais, il raconte tout, Kaya. Pas ça, raconte ce que tu veux, pas ça. Hop. Donc, ça passe là-bas. En tout cas, je trouve ça magnifique. Les petits changements de blocs et tout, c'est bien fait. Hop, vas-y, amène femme. Musique, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Ok, faut passer là. Attends, je sors celui-ci avant qu'on démonte tout. En fait, faudrait ouvrir ça là. J'arrive. Bah, alors attention parce qu'il reste un bloc derrière, hein. Si je peux me permettre celui-là, là, il faudrait vite le sortir. Vas-y, passe Huawei. Celui-là, si vous arrivez à le bouger. Tu m'ouvres encore l'autre là. Et ce bloc-là, là, voilà. Pour info, ce bloc-là. Non, attends, Huawei, reviens en arrière et active celui-là là, pour qu'on puisse le sortir. Ouais, pousse-le. Ah oui, faut le sortir. Poussez-le avec l'autre, ça va être nickel. Voilà. Vas-y, voilà, comme ça, tu le sors, voilà, comme ça, t'es tranquille. Ok, c'est bon. Huawei, tu le mets directement. Heureusement que je suis là quand même. Vas-y, active celui-ci. Ah, attention, vous avez collé deux blocs ensemble. Je sais pas si on peut les enlever quand ils sont collés. Non. Si. Il faut sauter dessus, peut-être. Ouais, peut-être. Attendez, poussez celui-ci. Attendez, deux secondes. T'as pas un diplôme de tailleur de pierre? Ah non, pourquoi vous l'avez mis? Oh non, pourquoi vous l'avez mis? Non, fallait pas. Non, il n'y a pas besoin. Non, il n'y avait pas besoin. Sautez sur les blocs quand c'est comme ça. Si vous sautez sur les blocs, ils vont se déplacer. Mais si, regarde, je te promets, celui-là, il était bloqué, on ne pouvait pas le remettre. En fait. Bah, regardez, si vous voulez. T'arrives là, tu sautes comme ça. Regarde. Enfin, comme ça, celui-là ne peut pas bouger. Attends, c'est dommage. Sur un qui peut bouger, Gadu, celui-là ne peut pas. Ouais. Quand tu sautes dessus, en fait, il saute dans la direction en fait où il peut aller. Ah, mais c'est parce que tu sautes en fait. Bon, bref. On va recommencer ce parade. Je le fais un vite fait. Rebouger ceux du fond. Voilà. Laissons une personne. Parce que de toute façon, maintenant qu'on l'a fait une fois, je pense que c'est plutôt clair pour TVH. Par exemple, oui. Moi, dès l'entrée, j'étais clair. Donc, allez-y. Ouais, celui-là, je vais pas ça. Attends. Non, c'est ici, là. C'est ça, faut le mettre là. Vas-y, attends. Bah non, c'est pas relais. Non, attends. Parce que regarde, si tu l'actives, c'est pas ici. Voilà. Attends, j'ai sorti comment celui-ci? Pas de précipitation, ne le coincez pas. Hein. Vous le laissez devant, vous ne poussez plus jamais après sur les croix. Là, tac, tac, ok. Et celui-ci? Vous démerdez, mais un seul. Ah, ok, faut que j'active les deux. Faut le mettre là, en fait. Oui, faut activer. Ouais, c'est ça. En fait, faut sortir l'autre là. Faut sortir celui-là aussi. Là. Oui, et celui-là aussi, hein, celui qui est devant moi aussi. Hein. Et ça, c'est pas très compliqué en fait. Attends. Ouais, vous devez activer voilà, le rouge, le vert, voilà, le vert dessus, voilà, pour le laisser passer. Et après, tu le pousses, et là, ça va activer celui-là. Voilà. Hop, tac. Voilà. Tu ressors. Ouais, tu le mets là. Là, faut réactiver le vert aussi, hein, pour celui-là. Mais c'est un autre vert. C'est un autre vert. T'as celui-là, t'as Attends. Je vais sortir celui-ci. C'est super bien fait en tout cas, franchement. Le mec il a bien géré parce qu'en plus, tu vois, c'est suffisamment bien fait pour pas rester coincé. Enfin, mis à part qu'on arrive contre un mur. Mais sinon, c'est pas mal. Et les effets de lumière, par contre, avec les shaders, c'est exceptionnel.
Je pense qu'il n'avait pas pris du tout le coup de mec, hein, mais c'est bon, enfin, vraiment pas la main, mais sinon, les effets, waouh. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert qui passe, ah, c'est magnifique. Oui, mais on peut pas y aller là pour l'instant. Oui, oui, c'est vrai, mais du coup, là, faut aller partout, faut aller ici. Mais... Du coup, là, ça l'active comme ça. Oh, attends. Ouais, ouais, celui-là, voilà, exactement, fallait pousser celui-là. Par contre, n'oubliez pas, il y a celui qui est ici. Doucement, tout le monde, doucement. Il y a celui qui est ici, attendez, il y a celui qui est ici, n'oubliez pas, celui qui est dans le coin devant moi, là. Ouais. Il faudrait l'activer, si vous pouvez. Oui, on sait, ouais, mais... parce que c'est celui qui est le plus en train, hein. Donc après, continuez, hein, mais... Et attention, ne poussez pas les blocs contre le mur, là-bas, et si vous les poussez, sautez dessus, essayez de vous mettre dans le oui, coin. Oui, là-bas, au bout, vers le bouton, vers Newt, on... Ah, pardon. Déjà, celui-là, on le laisse. Hop. On va pousser ça, comme ça. Tac. Voilà, c'est bien. Attends, non, attends, inversement, inversement. Attends, on peut pas le sortir sinon. Non, faites-le tout seul là, parce que sinon vous allez vous. Voilà. Mais le problème, c'est que tu vois pourquoi t'as poussé sur. Et du coup, t'as l'autre. Non, Fais-le revenir. Ramène le bloc là, ouais. Exactement, voilà. Hop. Vas-y, Yot. Encore, vas-y. Vas-y. Gauche, non, c'est l'autre, c'est en arrière. Ouais, non, mais c'est juste imagine. Voilà. Voilà, comme ça, celui-là, il sort. 6, sors-le, ok. Et maintenant, extraction du dernier. Ouais, tac, et faut juste le sortir. Je sors, hop. Ah, faut juste ouais, oui, tu... Mais le... Attention, allez-y doucement, c'est la fin. Allez-y très doucement. En plus, la fin, je vois que tout est... Parfait, ne bouge pas, oui. Non, okay, ramène... Sors le gazon. Ramène-le un peu, ouais, oui. Je crois que celui-là, il rentre avant. Attends, hop. Ok. Voilà. Vas-y, avance, Gadu. Je sais pas si c'est moi qui dois avancer. Alors pourquoi tu peux le ramener. Non, attendez. Parce que celui-là, il va aller que par là. Alors forcément, il... Laissez-le ce là. Ce bloc-là, là, il va aller que là. Donc... Non, regarde, on peut le sortir. Et, n'empêche que c'est pas simple, en fait, leur truc. Hein. C'est vrai que là, on le fait un peu à l'arrache. J'espère qu'il y a plusieurs solutions, qu'il n'y a pas seulement... Fab, t'active. Fab, tu peux pousser, ouais. Merci. Bien, ouais. Vite, désactive. Mais attendez, parce que vous les ramenez tous là-bas, faites attention, parce que si vous les ramenez trop après, tu vois... Oui, mais après, on peut les rebouger comme on veut, Gadu. Comment ? Vas-y, t'avances, Gadu, jusqu'à là-bas. Ceux qui sont sur la ligne, là, de validation... Merde, excuse-moi. Bon, vas-y, remplace. Et ça, c'est juste en validation, c'est un check, il n'y a pas d'importance. Vas-y, avance, Gadu. Tu peux juste pousser, Gadu, pas besoin de... Ok, avance, faut juste pousser, hein. En fait, pousser comment ? Parce que moi, en fait, je... Juste, t'avances dessus, en fait. Pas besoin de sauter. Non, je saute, en fait, il saute tout seul, il essaie de grimper dessus, en fait. Ah, bah j'ai le saut automatique, ouais. Bah, ouais, bah c'est ce qui était prévu dans l'1.16.5, je crois. Alors, oh. Bon, si c'est trop problématique, j'en ai marre parce que jusque-là, c'est bien passé. Vas-y, pose Fab. Mais Hop, vas-y, passe pas, oui. Allez. Il y a celui-là, attention. Ouais, c'est bien, allez, il y est presque, Hop. Attends, réglez voilà, celui-là, bon. Là, déjà. Ouais, attends. Alors, attendez. Sors de là, Fab, sors doucement. Touche pas à l'avant. Ouais, non, vaut mieux qu'il se mette contre le mur, Fab, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Hop. Oui, c'est vrai. Encore qu'il peut... Attends, il peut lui passer dedans. Hop, voilà. Celui-ci. Là, c'est pas mal. Là, attendez, là c'est plus bardé, là. Allez, putain. Hop. Voilà. Parfait. Excellent. Ouh. I must admit, this puzzle was un pretty un petit fail, mais c'est passé. Je dois admettre que ce puzzle était un peu compliqué. C'est ça qui était écrit, en gros. Pourquoi tu ne reviendrais pas ? Did the portal not open for you ? Oh, that's troublesome. Est-ce Let me teleport you manually. Est-ce que le portail est ouvert pour toi ? Oh, téléporte, ok. Oh. Quoi ? Oh, ouais. You weren't supposed to see this. Ah, on n'était pas censé voir ça. C'est ça qu'il a dit. That place you've seen is the lab where this experiment is taking place. Il disait que I hope you're not too worried about the zombie situation. I have the full capacity to handle this threat. And also, this is totally definitely 100% not the reason of these malfunctions, so there's absolutely no need to panic. Ok, il n'y a pas besoin de paniquer. On a le portail vert. Ouais. C'est excellent, même les erreurs sont scénarisées, Non, c'est bien fait, hein, Après, par contre, moi, je l'aurais pas fait parler, le mec. Alors, c'est bien qu'ils mettent un texte en anglais, le problème, c'est que, quand c'est écrit, ça passe encore, mais quand c'est oral, que t'es pas en anglais... Ah, mais il faut apprendre l'anglais, c'est une base dans le monde actuel. Oui, je sais. Oh là, le problème, c'est qu'il y en a qui parlent pas anglais, par exemple, Kaya, ils parlent très mal anglais, tu vois. On est en France. Et c'est vrai qu'on est en France. Ok. Aussi. Alors, nous avons donc une machine avec donc 4 boutons, c'est ça ? Ça, c'est les trucs que j'adore, c'est juste tu peux farmer un infini et c'est fait que t'arrêtes pas que tu veux. Il y a un truc écrit en dessous là, parce que je sais pas si vous le voyez, parce que moi avec les shaders, peut-être que c'est avec les shaders. Get sound pour 5 cactus. Ouais, 5 cactus. Get auto sound. Auto sound 15 cactus.
Spawn Time, c'est un reboot. Moins de... Non, c'est pas ça. Spawn Time, pour moi, c'est moins de vitesse d'apparition. Ah oui, c'est juste qu'il va apparaître, il va apparaître plus doucement. Voilà. Eh, gardu, gagner 1000 cactus. Ok. Donc là, on va avoir un combat, je pense, de zombies. Je vous le dis clairement. Parce que... Oh. Eh, regarde ce qu'il a trouvé là-bas. Il y avait des cartes. J'imagine qu'il faut les poser là-dessus, les cactus. Ah, je sais pas. Ouvre, gardu. Ouais, il y en a combien? Clique dessus. Moi, j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'il faut appuyer sur le bouton en fait. Si. Non, gardu, prends les cactus. C'est la monnaie, les cactus. D'accord, ok. Ouais, c'est la monnaie. C'est la monnaie. Et en fait, d'accord, tu vas pouvoir te payer 1 de sand pour faire pousser du cactus et farm. J'ai essayé de le mettre dans mon inventaire, vous avez vu, ça a mis score 6 cactus. Ouais. Et donc, faut acheter un de sable pour farm. Non, voilà, achète du sable là. Parce que... Sable. Que fait un creeper pour son anniversaire? Donc, voilà, faut poser du sable ici. Normalement, c'est bloc. Je sais pas. Il boum. Non, ici, clique ici, là, sur le ici, là. Juste le sol. Le sol, là. Bah, j'ai cliqué, là, j'ai cliqué droite. Peut-être de le poser. Attends, il n'y a pas un lore sur le sable. Ah, voilà. Maintenant, tu peux poser le cactus. Non, faut pas le poser, on va attendre que ça pousse. Non, faut attendre que le cactus pousse. Cactus, d'accord, ok. Bien. Score un cactus, ça y est. Et tu peux les farm, Gadu. Et tu peux le farm avec ton truc que t'as là. Mais attends d'en avoir l'équivalent de 5. De toute façon, il veut pas. Attends, il va. Par contre, ça va être à 3. Non, enfin, clic droite, clic gauche, il se passe rien en fait. Si je pourrais te donner mon truc hein, pour que tu regardes, mais tu vois, il se passe rien. Vas-y, continue, vas-y. Bah, comme on regarde quand je clique. Oh, essaye de le dropper dessus. Drop-le. Un truc comme ça. Ah. T'es pas contre le cactus? Attendez, par contre, là, je l'ai plus, hein. Ouh. Ok, Fab, est-ce que tu pourrais nous donner... J'espère que c'est pas... Ah non, mais je crois que c'est une cisaille spéciale, donc c'est compliqué. Comment ça s'appelle, cisaille en anglais? Putain, cheers. Ça m'a cassé. Ah, you are too broke, Forzat. Tu es trop... Trop cassé. Trop court. Ok, on n'a pas de cisaille, on n'a rien. Bah, comment ça s'appelle une cisaille en anglais, moi je sais plus. Mais... Brush. A brush. Non, c'est shears. Brush, c'est la brosse. Non, c'est shears. Oui, shears. S-H. C'est pas brush. Non, c'est une brosse. Oh. Bah, en même temps, c'est une tête de fer à friser. Si j'ai trouvé. Ouais, mais. Ah, mais c'est pas. C'est une utilisation spéciale. Attendez. Fab, passe-moi deux secondes. Attendez, ça se trouve, la brush, en fait, elle ne fait rien. Parce que moi, ça faisait ça aussi. Et on peut pas récupérer le. Le sable, c'est plutôt normal. Pour péter les froids d'un coup. Attends deux secondes. Ouais, moi j'en ai une, mais c'est vrai. Non. Non, mais c'est pas les pioches, hein. C'est vraiment la cisaille. Monte voir la cisaille. Deux secondes. Alors, est-ce que c'est pas un problème de version du jeu? Est-ce que c'est pas. Non, je pense pas. Non, je pense que son truc est plutôt bien fait. Ouais, mais peut-être. Non, c'était un bouton reboot là. Ça avait testé en 1.16.1 le lavap, hein, donc. Y'a pas de reboot dans le coin? Attendez, je regarde. Non, par contre, je te garantis que la cisaille, je l'ai essayé correctement. J'ai fait clic gauche, clic droite dessus. You are too broke for that. C'est quoi, tu es trop proche, pourquoi? J'ai essayé que ça le fait, en plus. Je vais le check pour réparer ça, mais... What? Il y a des mecs derrière. Y'a rien. Peut-être que t'aurais dû balancer la broche de l'autre côté, en fait. Un truc là-haut. Attends, vas-y. Ah, c'est quand on appuie sur les boutons. Bon, on a un problème. On a cassé la map, ça s'est fait. Je check pour la réparer. Alors, je vois une espèce de brouillard, perso. Hein, mais bon, on va peut-être pas passer trop de temps. Après, je pense que réellement, ça a rien changé en fait de le fait de le péter, parce que elle avait rien du tout de particulier. Je vous assure, elle avait pas de nom, elle avait rien. Si. Moi, j'ai vu un nom avec une description. Sur la chirme. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Tu veux que je te fasse le même effet que la chire? Sauf erreur de ma part, les viewers, pour moi, il y avait rien dessus. Tiens, qui c'est qui a fait ça? J'ai réussi à casser. C'est Bibi. Qu'est-ce que t'as fait? T'as cassé avec quoi? Avec une commande magique. Ah, donc c'est pas Kaya alors? Non. Ok. On laisse pousser. Alors, on est d'accord que ça marchait pas. Il y a bien eu un problème. Je sais pas, j'ai pas C'est ta chire de.
Alors, tu l'avais lancé dans le truc, donc du coup, c'est oui, pas non, la mais même. Tu l'as lancé dans le cactus, ça a disparu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça marchait pas tout court. Hein. Pourquoi la pause, on laisse tout seul, là, c'est facile. C'est moi qui le fais. Ok. Alors par contre, Fab, pour la commande que tu fais, là, ça c'est une commande, en fait, que le jeu s'attend à faire. Ça, la commande. Ouais, mais non, c'est... Oui, c'est ouais, pas... alors on a de la chance que le score continue de marcher quand même. Non, mais si le score marche, à mon avis, c'est bon. Mm. Par contre, pourquoi la cisaille marche là-dessus? Je pense que c'est un problème de version. Gadu, maintenant qu'on a 7, reprends un sable et mets-le. Non, moi je vais attendre le auto machin là. Auto sand, get auto sand, ça peut être bien. Ça a combien? Ça a 15, ça a 15, on a 10. C'est pas mieux, get auto sand. Oui, c'est bien. C'est mieux, bah comme ça. Oui, auto sand. Après, ça laisse spawn time, donc ça ira plus vite. 30. Bah sinon on peut attendre 30 aussi. Non, c'est plus avantageux d'avoir le... Bah je sais pas, autocentre, on va voir ce que ça fait. Alors peut-être qu'autocentre par contre, en fait, ça rajoute un sable quand on arrive à 15. C'était juste ça. Hein. Automatiquement. Bah tous les 5 en fait. Bah là on est à 13, de toute façon. Alors, Fab, attends les 16 quand même. Tu retapes la commande à chaque fois en fait, c'est ça? Ouais. Ouais, non mais je pense qu'on a un problème de version. Donc alors, tant que ça marche, c'est bon. Si vraiment c'est trop foireux, on repassera à 1.15.2, hein, les viewers, on fera une pause et puis... Ouais, je pense, voilà. Je pense pas que ce soit un problème de version. Mais c'est vraiment l'outil que j'allais. J'ai la cisaille, je l'ai enfin trouvé. Attends, fais plus de commandes, Fab. Bah, tu l'as essayé. Je l'ai eu en aventure. Tu l'as où la cisaille? Le chien singe. L'a cherché dans les tréfonds. Parce qu'en fait, ça. Voilà, c'est le sable. Ça marche sur le sable. En fait, tu casses le sable et ça casse les cactus. Non, j'ai essayé de le faire. Ah, je t'avais pas dit. Non, attendez, j'ai essayé de le faire. Faites les viewers, faites un retour arrière. J'ai essayé en fait sur le cactus et sur le sable. Clic gauche et clic droit, ça marchait pas. Oui, mais si tu casses pas le sable en une fraction de seconde. Bah, non, mais je suis resté appuyé en fait. Mais tu sais quand ça foire, parce que quand tu cliques, tu sais, il donne qu'un coup. Il essaye pas de donner plusieurs coups. Donc en fait, tu sais qu'en fait, ça va pas marcher quoi. Bon, c'est pas grave. Entre guillemets, on n'a pas cassé le jeu, et ça, c'est bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Parce que là, moi, j'ai un bloc, là. C'est quoi, ce bloc, là? Oh, tu l'as fait auto, machin. Après, je vais voir. Je m'en rappelle plus. Vas-y. Ouais. Ah, c'est un sable, mais c'est un autre sable. C'est un sable, c'est un sable rouge, un red. Il y aura un meilleur sable. On va voir que ça va faire. C'est un acassable. C'est un sable rouge. Normalement, puisque on l'a fait, on devrait avoir un less spawn time à 30 cactus. Ah mais ça se fait tout seul en fait. Pourquoi ça marche plus là? Blanc fonctionne, le orange. On prend un autre sable, Guilu. Comment? Ouais. Non mais prends deux autres sables, faut que ça avance là. Ouais. Le orange ça fait tout seul en fait, ça rajoute tout seul au fur et à mesure, regarde. Ah oui. Ah donc c'est le bloc en fait qui permet de... C'est ça que tu veux dire? En fait ça fait pop et ça répop. D'accord, ok. C'est des farmers. Et ça, c'est quoi, convoyeurs pour les... Ça, c'est un autre bloc qu'on a récupéré. Ah. Voilà, c'est bon. Tu vois, on peut encore remettre un bloc. Si vous voulez mettre un autre bloc. Ouais, sinon on fait des autos tout le temps. Hop. Maintenant, on fait que des autos maintenant. Non, mais attends, le. Oui. Bah, sinon, on va prendre le. Less spawn time. Ça va beaucoup plus vite les normaux. Hein. Vu qu'on a largement le temps de casser les blocs. Ouais. Vu le nombre qu'on est, franchement, on peut se permettre de les casser. Alors par contre, c'est vrai qu'on a qu'une seule, normalement, on a une seule cisaille. Je peux la filer à tout le monde. Ouais, bah, ouais, mais non, parce qu'il n'y en a qu'une seule dans le jeu. Bah non, en non, fait, on n'est pas censé aller plus vite. Et quand ensuite, ça plus. Sinon, on prend le troisième, hein, le less spawn time. Bah on va attendre 30. Less spawn time, ça va doubler. Vu le nombre qu'on a, en fait, ça va aller deux fois plus vite. Donc ouais, il faut qu'on attende, bien sûr. Par contre, on a un problème, c'est comment en avoir mis... Ah si, 1000, c'est pas un problème, il faut juste... A mon avis, ça ira très très vite après. Attends, les 1000 après. Ouais, mais à mon avis, les 1000. Ouais. Parce que je sais pas si le spawn time, on peut le faire plusieurs fois. Parce que si on peut le faire 10 fois, tu sais, c'est on fait un droit, tu vois, et c'est très vite. Là, attends. 1000. Bah voilà, on a fait un auto-sand. Magique. Pourquoi? Bah regarde, ça auto-cast tout seul. Donc on a fait un auto-sand. On est à 30, je fais la commande. Enfin, je fais le spawn time. On va voir si ça va plus vite ou pas. Ah oui, on a un doute. C'est parfait. Ça a l'air d'aller plus vite. Peut-être ça peut être une bonne idée de les mettre les uns à côté des autres. C'est moi ou ça a l'air d'aller plus vite? Bah, sinon, mettez-les tous l'un à côté des autres. Ah bah voilà. Mettez-les tous, on croit autour de celui-là. Gadu, on va que acheter du 30 parce qu'à chaque fois ça va réduire normalement. Bah, de toute façon, à la vitesse où on va, là, regarde. Et après, on achète que du 30, comme ça dépop tout seul. Et pourquoi celui-là il marche pas? C'est le but, à mon avis.
Mais Si, il fait automatiquement player, c'est pour ça qu'on le voit pas. Alors, je vais faire le 30 dans un instant, dès qu'on est rendu, 28, 29 et 30 secondes. Bon. C'est parti. Est-ce que c'est vraiment rapide? Est-ce que c'est vraiment efficace votre truc? Ouais, ça a l'air. Ah oui, 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 ça l'air. Par contre, le bloc de sable, il se remet là où l'item se dépose. Donc, attendez. Il faut essayer de le pousser comme ça dans ce sens-là. Réessayez des blocs, là. On va réessayer des blocs. C'est bon, je l'ai à nouveau. Hop, contre le mur. 4, 5. J'ai en faire 5, la même chose que ce que vous avez. Gadu, pose contre les murs, ça fonctionne. Ouais, mais regarde, c'est normal à faire ça. Oui, mais contre les murs, c'est plus simple. Ouais, mais là, t'as perdu du temps, Gadu, parce qu'il y en a un qu'on ramasse pas quand c'est comme ça. Alors que contre le mur, c'est automatique. J'aurais voulu le coller en fait, j'aurais pas voulu le mettre comme ça. Et hop là. Oh, du coup, faut en avoir 1000. Ouais, mais regarde, ça va aller très vite. Ça va aller très... Parce que si t'appuies sur 30 à chaque fois. Alors, je sais pas jusqu'à quel. Alors, par contre, pas trop. Parce que là, la vitesse où on va, déjà, t'as remarqué que les 1000, on va les atteindre très rapidement. Hein. T'as vu, c'est quoi? C'est 5 secondes pour atteindre les 50? Voilà, c'est équivalent. Oh, j'ai acheté trop de 30. Non, heureusement, parce que sinon, attends, on va péter le serveur. Bon, bah t'as voilà. T'as la vitesse où on va là? T'as on a Alors, si tu pourras avoir plus de blocs. Ah, par contre, je vois que le. Aïe, ça pique. Cactus. Ouais, y'en a un qu'il faut casser là. Ouais, il y a un problème avec tes cactus. On pourrait aller beaucoup plus vite là si tu pétais le cactus, ouais. Oui. Là, ils ont pété tout et mettez contre le mur sinon. Hein. Ouais, comme ça là. Faites ouais. Comme ça là. Ça, c'est bien ça. Oui, contre les murs, il faut mettre. Pétez tout ça là. Oh putain, le bordel que c'est. Et n'empêche que j'adore. Franchement, le ouais, créateur, c'est kiffant, je sais pas qui l'a fait le truc, j'ai pas le nom en fait du modeur. Mais magnifique. Franchement, magnifique. Et tu vois, on s'attendait à un truc super long avec le. Les 1000 là, mais en fait, tu vois, quand t'as commencé, après ça va très vite. Hein. Ah bah bravo, TVH. Il y avait quelqu'un. On a vu le fail. Quoi bah, le fail? Non, j'ai juste drop à côté. Et... Ah là là. Ça fait plaisir, ce genre de jeu. Ça m'appelle le genre de jeu où atteindre 10 000 de score. Bon, 10 000 de score, tu peux l'atteindre en 3 minutes, mais le kiff d'atteindre les 100 000, c'est plaisir. Attention, ça va pas tarder à arriver. Fab il passe dans les cactus. J'en ai mis deux là parce qu'en fait il a un. Et les 1000, bah il faut cliquer sur le dernier bouton. Bah voilà, Gadu. Et voilà, on a gagné. Vite. Aïe. Oh non. Do you recall that zombie situation I was talking about? Ah. That sounded much more serious than I thought. Who would have guessed? Je vous ai parlé. Ah bah. Tiens, they managed to break in. I irrationally panicked and I entered a totally safe and fun skill based experiment with you. Si vous voulez savoir par qui c'était créé. I didn't know zombies broke iron doors. Wait, Nico they don't? Pro. Those damn architects scammed us! Ah oui, well, ah oui, anyway, okay. Good news is that I managed to bring the experiment creator's armor down here. This dude is low-key so weird, ouais. He creates a new map. Armor stand il for every experiment très he makes, ouais, shaking bah, my head. Ouais, du travail et tout, des détails. Ok. Bon, je sais pas, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais écoutez, on va peut-être avancer. Ah, il faut trouver de la rotten flesh. Faut de la rotten flesh, parce que du coup, tu peux l'échanger avec lui, là. Ok, où c'est qu'on va la trouver? Bon, on sait pas, on va voir. Bah déjà, il nous faut peut-être passer au puzzle suivant, ou bien... Alors, moi, je vois rien là-dedans. Et on peut pas lui déglinguer sa gueule, là, au créateur, là? Non, je sais bah, pas, des fois, le... de la rotten flèche dans ses poches. Ah ouais. Et vas-y, gamin, je te raquette. On fouille partout. La rotten flèche. On prend tout. Par contre, il y a de l'eau au-dessus qu'il y avait pas avant. Mm. Ouais, et en plus t'as vu d'assez oh, attendez, je peux le casser. Ah bah voilà, parfait. Pourquoi tu peux le j'ai casser? J'ai pensé à la Moisy, parce que c'est de la cobblestone Moisy. Ah oui, de la Moisy. Oh okay. Ok, c'est bon, on a apporté... Ah oh, yeah, okay. I'm waterproof. Je suis waterproof, oh yeah. Oh. Alors attendez, on va essayer de... Voilà, faut faire une pioche. Vous avez vu, hein. Ah, il y a un bouton joué. Faut faire une pioche, non? Ah Ah oui, il faut faire les blocs pour faire avancer le PNJ. Il faut faire les blocs, c'est-à-dire eh ben, regarde, oh, oui là, en fait, le PNJ, au début, il était là au coin. Je sais pas si tu vois où je suis, là. Et ouais. En fait, il a avancé selon les flèches. Ok. Au sol. Ah, ça, là, regarde, il y a des trucs en dessous, non? Ouais, mais je vois toujours pas en fait comment on peut le faire avancer en fait. Parce que je vois bien hein, que, ok, il y a des flèches, mais. Ah, je sais pas, on a récupéré des blocs. Et s'il faut pas le faire aller quelque. Ah, mais oui. Faut peut-être les préposer. Comme ça, après il avance. Oui, c'est ça, les poser à des endroits pour qu'il. En fait, faut lui faire son chemin
faut qu'il aille à des endroits précis, qu'il fasse peut-être des trucs. Bah peut-être c'est... miner, j'ai l'impression qu'il faut qu'il mine peut-être le métal, je vois, il y a des endroits pour miner. J'ai deux blocs, Gadjun, j'en ai un qui fait qu'il casse tout ce qui est devant lui, et j'en ai un qui peut le faire avancer. J'en ai 10 qui va avancer, et 3 qui peut casser. Ok. Ok. Donc alors, ouais, faut les placer par terre. J'entends, par contre, c'est juste un problème. Déjà, il a attends, j'ai rien posé. Bah là, il faut le faire avancer, là. Là, tu as les mais j'avais rien posé. Ouais, ouais. Faut, alors, ouais, il faut attends, mettre la place du sol. La terracotta cuite. Là, c'est encore moi qui ai... Comment la terracotta cuite. Ouais, bah oui, ouais, les flèches, c'est de la terracotta. Merde. Pourquoi il y a une hache qui tourne, effectivement. Non, c'est moi qui tourne. Et faut le faire aller où, déjà. Faut qu'il récolte certains matériaux, mais... Bah, il y a du bois. Ouais, je pense qu'il faut qu'il récolte des matériaux, et avant que ça reset, il faut qu'on crafte des trucs, peut-être. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'il ramasse le bois. Avec le bois, il pourra peut-être casser de la pierre, avec la pierre, il pourra peut-être casser justement le métal. Bon, par contre, est-ce qu'il y a un intérêt à casser le métal? C'est ma réflexion, j'en sais rien, hein, je pose la question. S'il casse le métal, là, il va peut-être... Si, il va pouvoir le fondre, il faudra le ramener justement au four. Oui, c'est ça, il faudra peut-être le ramener au four avant que ça redémarre, le cuir, je sais pas exactement... Et faire aussi du bois pour pouvoir alimenter le four. C'est quoi cette plaque là par contre? Vous avez un bug aussi ou c'est moi là? De quoi? Là, l'espèce de plaque là qui est là. Là. Ah, c'est une plaque de pression. Mais, ouais, mais tu les as trouvés où les blocs que tu places, Fab? Quand t'as appuyé sur le bouton reset, tu me les as donnés. Ok. Fab, ouais, voilà, t'en as placé. Ah, par contre, c'est limité. Par contre, j'en ai plus là. Non, parfait, bah essayons. Est-ce qu'on peut refaire play juste pour voir ce que ça fait? Ouais, voilà. On va commencer déjà par faire ça, on va voir ce qu'il fait. Je pense que c'est pas limité déjà. Voilà. Donc là, tu l'as fait marcher, donc déjà ça marche bien. En plus, on peut ramasser les blocs qui sont par terre, mais je vois pas l'intérêt. Ah! Alors, est-ce qu'il a du bois sur lui maintenant? Ah, il a fait tomber du bois! J'ai du bois! Trop tard à ramasser. Et j'ai des dalles de roche aussi. J'ai alors, une barrière en chaîne. Faut aller là. Ouais. Vous avez des choses sur vous là actuellement là? J'ai une barrière en chaîne. Alors, pourquoi moi j'ai rien sur moi? Quelqu'un a récupéré du bois? Non. 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 En fait, t'as rien, Gadu, parce que ça, c'est des blocs de démonstration. Ah bah. Et du coup, tu les perds quand ça reset. Alors, je suis d'accord, par contre, justement, attendez, que je comprenne, parce que moi, j'ai pas compris, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il a eu des blocs. Alors, effectivement, ça a reset, donc du coup, on les a plus. Ça veut dire qu'en fait, on est obligé de faire tout le tour en une fois, en fait, c'est ça? Non, Gadu, c'est pas Gadu. Ça. Là, les blocs que tu as perdus, toi, c'est ces deux-là, là, en fait. Ceux qui sont devant moi, là, non, ça c'est... Non, le bois aussi, je l'avais. Le bois qu'il a cassé, là. Je l'avais sur moi, j'avais deux bûches et en fait j'ai dit. Ah oui, il faut faire une hache. Voilà, Gadu, est-ce que t'as vu ou pas le nom de l'item dans le cadre? Ah, le but c'est de faire une hache, d'accord, ok. Exactement, donc en fait faut récolter toutes les ressources pour faire la hache en métal. Ouais, faut du bois et du métal, c'est tout. Bah, faut de la pierre aussi, parce que sinon il pourra pas casser le métal. Non, j'ai du bois. Avec une pioche en. Oui, faut le faire en une fois, c'est pour ça qu'on récupère. Ok, il me manque un dernier de métal. Bah okay, ouais, faut reset. T'aurais pu optimiser. Plutôt le faire aller à droite après au lieu de le faire avancer. Non, tu peux pas optimiser. Non, ça changerait rien. Non, c'est la même chose. On n'a pas fait de retour. Que okay. En fait, que tu fasses directement à droite et tout droit ou tout droit et à droite, ça sert à rien, on est d'accord. Oh, donc, en fait, Fab. En fait, il faudrait aller ici, casser ça, casser les blocs de bois là. Et venir sur mon axe pour et ensuite, le faire. Aller... Ça, il y a trois de fer. Et voilà, et ensuite tu casses, voilà, tu vas ici, et du coup tu casses tout le fer ici. Comme ça, ça marche mieux, t'as deux blocs pour trois. Voilà. Ouais, essayons peut-être la méthode de TVH, peut-être que ce sera plus près de le faire comme vas-y. Ça. Vas-y, on part sur je suis pas sûr que ça et casse. Chose, mais pourquoi j'en ai que trois des trucs pour casser hein. Mais on a besoin que d'un seul bois. Tu ressors c'est ici en fait, ça. Tu ressors ici là, tiens. Ouais, attends, mais je refais ce que j'avais fait tout à l'heure alors. Tu ressors ici. Un seul bois ça suffit pour créer une hache. Va pas falloir prendre j'ai le. J'ai c'est plus rapide de l'autre sens, hein, Fab. Et de ce sens, en regardant vers le métal. Mais en fait, je crois qu'il a plus assez. Si, t'es encore assez. Pardon. C'est bon là. Pardon. Mais il va falloir qu'on fonde le métal, donc il va falloir plus de bois. Ok, ouais, t'as trop de métal. Là, à mon avis, ça n'a pas marché. Mais bon. Et par contre, j'ai obtenu une fleur sur moi. Si, c'est t'as bon. Une fleur, là, une barrière. Ça va aller 1, 2, 3. On va voir. Bouton jouer. Allez, play. Play pour voir. Je suis pas très confiant dans votre truc, mais je vous fais confiance en même temps. À vous-même, pas à ce que vous faites. Je sais pas ce qu'on pense Kaya, parce que Kaya, il dit rien. Oh, bah, je alors regarde. Là, on a un bois. J'écoute. Tu l'as récupéré, Gadu? Moi, j'ai une bûche, ouais, effectivement. Là, il m'en cassait un, il m'en cassait deux, mais il aura pas de. Non, 3, c'est bon. Non, il a 3 métal. Donc maintenant, faut n'appuyez pas sur reset.
Donc maintenant, faut qu'on fonde avec du bois et qu'on crafte le truc. Donc en fait, il nous faudra un bois de plus. Ah putain, oui, attends, il faut moi, le bois pour fondre. Hein, j'ai pas pensé à ça. Attends, je pensais qu'au craft. Bah oui, j'ai obtenu une bûche. Ah, donc là, attends, je fais les bâtonnets. On est d'accord? Bah en fait, faut faire fondre le métal. Donc il nous faut non, mais faire fondre 3 métal avec les bâtonnets qu'on aura, ça suffira pas. J'ai ça. Et potentiellement, je peux te donner encore deux sticks parce qu'il me faut que deux sticks pour faire. J'en ai 4 des sticks. Et là, je pense que ça va suffire. En fait. Ouais, si, et... ça devrait coller. Si, si, c'est bon. C'est vrai que tu vois, regarde. Là, à mon avis, en fait, deux planches, ça va nous cramer les trois. Sinon, je colle deux sticks. Ok, c'est bon. Regarde, je te mets ça. Parce qu'en fait. Oui, on n'a pas besoin des 4. On n'a pas besoin des 4, tout à fait. Donc il m'en reste 2. 2, c'est assez. Et après, gars, tu craftes le. Lâche. Ouais. Et goal. Je pensais qu'il fallait d'abord casser de la pierre, tu vois, pour l'avoir, mais non, après il défonce, donc... Alors par contre, il est où le métal, parce que vous l'avez. C'est mauvais qu'il vole tout. Oui, il le prend directement, elle a peur que je lui fauche en métal, en fait. Tout piqué. Ça, c'est bien une femme, ça a peur qu'on lui fauche des cailloux, comme ça. Je déconne. Oh, zombie, voilà. Zombie. Brains. Oh man, I need to help over here, fast. Vraiment un zombie, en plus. Non, mais j'ai une hache, attends, je vais le défoncer. Ah oui, maintenant qu'on a une hache. Faut pas se faire piquer. Ah, ça fait très mal. T'avais pas dessus. Ah bah voilà, vous avez la rotten flush. I just wanted them brains. Alright, this is not a joke anymore. We gotta get out of here. Trade me the rotten flesh. I'll make you the next portal. C'est plus une blague. The only way out of the experiment is to finish it. Et je vous donnerai le prochain portail. This was done, of course, to counter very stubborn and non-collaborative subjects. C'est Waterers, the second. Donne-le. Ensuite, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais ok. Attends, donne-le. T'as pas une. Le zombie, enfin le villageois, il est mieux que tout à l'heure. Je peux pas rentrer parce que c'est pas. Voilà. Comment le villageois il nous a donné. Des pluies. Portail. Eh, c'est magnifique. Franchement, les décors avec. Oula. Oh. Eh, c'est... Oh putain, ils sortent. Trop bien. Il faut taper sur les zombies, c'est un chasse-top. Un tap-top, non, c'est pas comme ça, quand même. Ouais. Bon, eh, par contre, on risque rien parce qu'il a assez bonne de tuer. Non. Ouais. Moi j'aime bien le top comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Non, on a déjà battu. Bon, on a juste à cliquer. On a juste une hache. On a déjà. Faites attention parce qu'on peut se taper les uns les autres. Excuse-moi, ouais, oui, hein, je viens de te mettre un petit peu. Ça fait mal ou pas? Ça fait mal ou pas? Ah bah, restez sur votre trou et puis comme moi je fais. Non, c'est pas grave, mais ça déplace. Alors on est 6, hein. Donc déjà, tu vois, il y a 9 trous. Par contre, t'entends, ils sortent. Ah, il faut. Bon, on a déjà réussi le. Ah, moi j'ai une patate. Vous avez une patate? Ouais, j'ai une patate. Ouais, moi aussi. Ouais, moi j'en ai une. Alors, le but c'est de faire des frites ou c'est de. Non, enfin, c'est d'atteindre 20, mais on est à 80. Ouais, good job. Bah c'est bon, arrêtez alors. Actually, good job. Let me teleport you myself. It'll be quicker. What? Almost perfectly. Mm-hmm. Ouais. Ok. Ça a fonctionné parfaitement. Ok. Il dit quoi? Il dit rien. Ouais. Alors, on a une patate. Est-ce qu'une patate le. Tu veux une patate, toi? Non, il prend que de la rotten flesh. Et lui, il prend. Ah, bah, faut peut-être passer juste dans le portail qui est accessible. Ah, juste avec. Voilà, c'est pour toi. Système, créateur de machin avec Nico The Pro. On parle. Les couleurs sont magnifiques. Vous avez pas les shaders, mais je vous disais que je vous garantis que c'est magnifique. Ok, alors il faut communiquer avec Manim et Jeff pour compléter l'objectif. Manim et Jeff. Manim et Jeff. Manim et Jeff. Ça, c'est du nom. Y'a un mec qui parle là, je sais pas où. Allez, allez où, t'as pris? J'ai pris. Ah, voilà. Kaya, il parle déjà. Pour ramener la tête. À Jeff. Vas-y. Juste pour les viewers, juste un instant, je vais faire le nettoyage de mon inventaire parce que j'ai de la merde dans mon inventaire. J'ai deux fleurs, j'ai une barrière, j'ai des graines. Non, Kaya, faut que tu échanges la laine que t'as eue. Garde tout, on sait jamais. Non, je garde tout, mais je le mets dans mon inventaire, pas dans la barre rapide en fait. Ah oui. C'est tout. Juste là, tu lui files les laines et t'as une bonne pioche pour farm ça. Et comment je fais pour lui donner? Ah oui, comme ça, d'accord. Juste troc. Et après, tu peux casser la durite. Si je crois que ça doit être, je sais pas. Donc vous avez fait un échange non. Avec le. Et là-bas villageois. Et là où je suis, non, ça marche pas. En fait, faut juste faire un troc avec le PNJ selon les ressources qu'on récolte et ainsi de suite jusqu'à arriver à la tête. Bah, c'est évident. Mais les fleurs là, comment on les pique là? Vous avez pas de.
Jury to all. Ouais, c'est ça, Kaya. Vous avez pas la chiasse, justement? Non. C'est juste les barrières ici. Barrières, vous... Ça mine, ouais. Kaya? Non. Non. Bah, essayez autre chose. C'est pour ça. Voilà. Ensuite, parfait. Tu passes. Donc, tu as donné Jury to all, tu vas faire la magenta terracotta. Je vais rester à côté, je suis mal barré. Et ensuite, tu vas couper les feuilles. Pour ensuite passer à la tête. C'est qui le con qui pousse, là? Ah, c'est pas moi. Moi, je te regarde. C'est Fab, il fait des bêtises. Moi, je te regarde et le lapin, il me regarde. On fait pas grand-chose. Ah oui, bon. On peut pas tous... Là, pour moi, c'est une chire. Maintenant, faut que tu casses ça. Arrête de nous taper. Et ensuite, tape, tu prends les ciseaux et tu... Il nous faut, des, ça, gosses, il nous faut des chires, en fait, pour casser les... C'est ça. On peut même plus les tenir, c'est pire que des gosses. Donc, dès que t'as de la... C'est quoi? C'est de la terracotta. Tu fais la chire. Tu troques, tu prends la chire. Avec la chire, tu casses les feuilles. Avec les feuilles, t'auras... T'auras un outil pour casser la tête. Ça me paraît super simple. Tu pourras casser la tête avec la tête, t'obtiendras le Win the Experiment. Ah, mais je peux pas choisir, t'es dedans. Ah, pardon, excuse-moi. Okay. Non, je savais pas. Bah, là, de Billy Gavin. Moi, j'en ai un, j'ai un terracotta sur moi. Tiens, je te donne les terracotta. Je pense que t'en as pas besoin, mais je te donne quand même. Et puis, puisque j'y suis, j'ai des aussi. Hop. Vas-y, mais donne-moi tout. Mais c'est ce que je fais. C'est déjà fait. Bon, tu jettes pas, parce que peut-être qu'on aura besoin. Normalement, j'ai qu'une hache et le VAC Zombo, là, 3000. Hop, et normalement, tu finis par la tête. VAC. La tête de qui? Oui. Oui. Voilà. Oh, oh. Des zombies. Faut juste prendre le marteau. Oh, c'est bon, non, c'est voilà. Et normalement, tu la partie du portail pour continuer. I think I just need to go down the dev exit, just in case. Problem is, I have no idea how to find it. It must be here somewhere. Dev exit. Normalement, Kaya, t'as le prochain portail. Ah bon? Ouais, le dernier troc que t'as fait avec la tête, normalement, c'était... Bah, j'ai pas eu le temps de le faire avec la tête, moi, il y a eu les zombies. Juste pour info, de ce que j'ai compris, hein, en quelques mots, en diagonale de ce qu'il a écrit, en fait, là, il décide de foutre le camp. Et on devrait trouver quelque chose quelque part, c'est ça qu'il écrit. Hein. Ah, la tête, j'ai avec moi, là. Dev exit, voilà. T'as la tête? C'est pas la tête qui nous intéressait, en fait, à la base. On avait d'autres trucs à échanger. Je dis pas qu'il fallait troquer avec lui. Il fallait troquer la tête avec pour avoir autre chose, normalement, dans l'autre salle. Donne. Oui, normalement, la tête s'est changée avec quelque chose, en fait, dans l'autre salle. Ah ouais, mais il y a eu les zombies. Hein. Oui, je sais, puis il y a eu le portail après. Ouais. Tu me vois? Tu me vois plus. Alors. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois? On est direct rentré dans le portail. Non, mais attends, on a eu de la viande de zombies, on peut y retourner de toute façon. Bah oui. Il suffit de redonner à Zazu, là. Mais non, j'ai trouvé, Fab, viens voir. J'ai trouvé, je vous cassais là. Oula, c'est abîmé dans le coin, qu'est-ce qui s'est passé, là? Hein? C'est là. Regarde la tête. Oui, c'est vrai que vous commencez à casser, je me dis que très probablement. Gardez votre WAC à Zombo 3000. Avec une pioche qu'on m'a donnée, tiens, il y a un cactus. Une pioche. Oh, pardon. Et il y a un cactus. Oh, un seul cactus. Ouais, je suis pas sûr. Alors, si, par contre, tu peux peut-être péter le mur qui est à côté, oui, aussi, passage. Je vois, il y a déjà des trous là. Par contre, on peut rien faire. Le cactus, on peut le ramasser? Y'a rien qui reste nulle part. Oh. C'est des casse-tout, oui. Ça sera quoi de... Ouais. À moins que ce soit juste un easter egg, il faut faire comme a dit Yout. Bah, elle a raison, en fait, de péter tout ce qu'on peut péter. Là, tu vois, y a un trou aussi, potentiellement, là, tu vois. Ouais, bah là, on y retourne. Là, on peut passer. Ah, c'est ouvert. Comment ça s'est ouvert? Non, on y retourne. C'est Yout, il avait de la rotten flash. Ah oui, d'accord. On y retourne, on change la tête. Ouais, ça se trouve, c'est là-bas que ça se passe. Il faut changer la tête. Il semblait bien avoir vu dans les villageois en fait un échange de têtes. Allons vérifier, hein, mais. Par contre, là, on n'est pas du tout au même endroit que tout à l'heure, c'est pas là qu'on voulait. Oui, mais c'est normal, c'est parce que. Ah, faut retourner après la portée pour aller à l'autre endroit. Les TVH en refait un autre, ils sont pas dans la mémoire. On revient ici, puis là, en fait, bah, c'est pas là qu'on va aller en fait. Merci Yout pour. Par contre, c'est un voyage touristique. Là, il y a un trou là, par contre, effectivement. Là, c'est bizarre qu'il y ait un trou. Il y a un trou. Ah bah, Fab, t'as toujours la tête? Bah oui. Mets la tête et passe dedans. Ouais, où ça? Dans le trou où tout le monde est. Mets la tête sur la tienne. Comment ça? Passe-moi la tête sinon. Tu l'équipes.
C'est en casque. Tu te la mets en casque et ah ouais, t'es passé du par coup, le ça va feinter. Il va croire que c'est... Non, ça marche pas. Ah bah non. Et le cactus. Le cactus, il est là. Et tu peux pas prendre le cactus maintenant que t'as la tête. Eh, c'est bizarre qu'il y ait un cactus qui sert à rien. Femme, viens voir le cactus. Fais-lui un bisou. Ah, si tu peux. Ah bah voilà. T'as pas des commandes, t'es pas OP, t'es pas... Non, j'ai juste fait clic gauche, là. Ok, nous, on n'avait pas le... Et il dit quoi, le cactus? Je peux le faire aussi. Ah, faut juste faire clic gauche. Et ça dit quoi, oui, cactus? Tu peux mettre une carotte à la place. Non, tu les gardes, les carottes. Juste cactus. Alors, prenez le docteur. Prenez le docteur. Les cadeaux. You found it! The magic cactus dimension! Ok, this is all taken out of it! Non, ouais. You might recall this place. It's yet another experiment for you to find a map maker back when he was making good, fair maps. Anyway, there's a control panel behind this wall. Help me find a way to get through it. Ok, faut trouver un moyen de passer à travers le mur pour avoir accès au panneau de contrôle. Ici, là, faut peut-être bouger les blocs derrière le mur. Il y a un trou ici. Alors, il y a quelque chose ici, effectivement. Moi, j'ai un morceau sous moi. Enfin, mais je pense que ça, c'est juste le mur qu'on a pété avant. Oui, ouais, moi aussi. Ok, je donne à Oui, histoire de pas se mélanger, parce que sinon, après, on va se perdre. Donc, comment activer cette zone-là? Là, on pourrait peut-être sauter. Tiens, est-ce que tu peux péter le mur, tiens, Oui, ici? Est-ce qu'on regarderait pas déjà j'ai trouvé. Qu'il y a dans le coffre, Galu? Comment? Dans ce coffre-là. Oui, j'ai trouvé. Prends le livre. Ah ah! Alors, hint qui veut dire livre d'un. Là, tu sautes. On l'ouvre ou pas? Attends, non, parce que j'ai trouvé la solution. Ah, alors, je le mets de côté. Là où en fait, quand tu jumps, tu vois un coffre et il y avait 3 gunpowder et 2 de sable. Donc, il doit y avoir ce qu'il faut pour faire une TNT. Ah exact. Oui, c'est vrai que c'est super de faire de la TNT en milieu confiné. C'est bon, j'ai trouvé tout. Alors, t'as trouvé quoi? Alors, le coffre était derrière la table. Juste derrière, et ensuite dans le trou là où il est. Ouais, effectivement, on le voit dessous, ouais. Donc je fais la TNT. Ne poussez pas. Attention. Eh ben voilà. Donc t'as tout cassé. Attention, tout le monde en regarde. I think I can purge all the zombies from here. Initiating self-destruction sequence. Machine of Nessus, parce qu'on l'a appuyé. Derrière. J'ai essayé le l'indice, c'est pour ça que ça a mis un truc bizarre. Voilà. C'était ça, elle me bat derrière. Ah, je suis dans tout le monde là. Finally, you woke up for real this time. Finalement, tu t'es réveillé. I managed to purge all zombos and bring us out of this experiment. Pour de vrai cette fois. En fait, on dormait, c'était un rêve. Come with me, I have something to show you. Les expériments, come with me. Oh, you can open the doors. They're just hanging out. We got scammed by the architects. Il y en a qui dorment toujours. You might have not noticed, but every rainbow dimension you visited in the experiment contained a little secret item. Okay, now, I know this indiqué, wasn't really a genuine testing environment, but literally no test subject managed to get all the secrets. If you have them, you can place them on the terracotta blocks. Donc là, c'était la fin. Ah, on a fini. D'accord. Thanks okay. for playing. Ok, très bien. Alors, au niveau du temps, par contre, nous sommes à 55 minutes. Oh, dans les temps. Donc, on a fait même mieux que la moyenne que ce qu'on pensait. Ceci dit, on était nombreux, parce que, à tout du coup, on aurait pu rester coincé, en fait. Oh, bah faut dire, je sais pas, on était plus... Viens voir les mini-joueurs, là, qui sont là. J'avais jamais vu ça encore, les mini-joueurs. Là. C'est juste des mini... Ah oui, c'est juste des mini-Armor Sten. D'accord, en plus, il y en a qui ont été... Tu vois, il y en a qui ont... plusieurs personnes, en fait, voilà, qui ont participé, et on peut aller sur leur YouTube... Ou attends, leur Twitter. C'est terminé, c'est ça? Ouais, on a fini. On a fini, on peut cliquer 1000, tiens, c'est cliquer 1000. C'est parce que quelqu'un a touché un des panneaux. Oui, qui est sur un panneau. Mais voilà, on a fini. Cactibus, là, il disait qu'on pouvait poser des trucs sur la terracotta, j'ai pas tout suivi. Ça doit être des trucs. Ah, bah, je sais. En fait, les différents marchands avaient des plaques de pression à proposer, donc en fait, il y a des secrets. Par exemple, quand Kaya fait le. C'est le rose. Magenta, on pouvait changer un bloc de sub contre une plaque de pression, et ça doit être ça en fait. Dans le vert aussi, j'avais vu en essayant de chercher la cisaille, j'ai vu comme quoi en fait c'était possible de débloquer une plaque de pression verte. Donc ça, en fait, il doit y avoir des secrets dans chacune. Ça, c'est l'indice, hein. Le hint, c'est l'indice qu'on avait dans la pièce précédente. Ouais, ça c'était pour les coffres normalement que j'ai trouvé. Ok, bah écoutez, donc là on a plus rien à faire.
Bah là non, après il y a des petits secrets, mais bon, je pense que c'est juste pour une petite histoire. Ouais, c'est réveillé, c'est bon. Mais on a fini le monde. Ok, bah écoutez, moi je trouve ça super sympa. Je franchement, pense qu'on c'est maps très bien fait. De Nico The Pro, là, parce que c'est vrai que c'est... Ouais, je sais qu'il en a fait plein. Après, je sais pas si c'est vraiment fait en multi, mais celle-ci est nickel. Bah en tout cas, ça marcherait bien en multi. Et je rappelle, là, la map est en 1.15.2. Imaginez ce qu'il peut faire en 1.17, par exemple. En admettant que ça rajoute des choses, mais je pense que ça rajoute des choses. Donc voilà. Ok, bah écoutez, dans ce cas-là, je vous rappelle, les viewers et les joueurs qui regardaient cette vidéo, que vous avez un serveur public de la communauté si vous voulez rejoindre. Vous n'hésitez pas, parce que là, c'est une partie privée, hein, c'est pour l'event. Mais on a un serveur public pour tout le monde, à savoir un mini-jeu, un guide du parc, ainsi qu'un survie. Donc décomposé en trois sous-niveaux, on va dire, trois sous-serveurs. Et donc, n'hésitez pas à passer sur TeamSpeak, il y aura Wawi qui vient de dire oui, là, qui vous accueillera avec grand plaisir, ainsi que Yout, parce que Yout, il aime beaucoup discuter aussi avec les nouveaux joueurs. Donc vous n'hésitez pas à passer sur le TeamSpeak, qui est en description, vous avez tout ça en description. Vous avez le forum, le site web, ainsi que le TeamSpeak, et le plus important, c'est le TeamSpeak, justement. Voilà, donc ça c'était pour le serveur, et puis nous, bah, du coup, on n'a plus qu'à se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye.